Bonsoir, bonsoir, bonsoir à la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Victoire du peuple. Gloire à Allah, subhanahu wa ta'ala. Oui. Et c'est pourquoi je vous dis chaque fois, restons soudés. Ces putschistes ont déjà échoué sur tous les plans. Oui. Le 5 septembre, je vous avais dit, c'était le coup d'État était un instinct de survie. Les bandits ont trompé l'opposition guinéenne. Où est la cellule aujourd'hui? Les jeunes de l'Axe qui avaient cru, oui, le changement que eux ils souhaitaient, leur est arrivé. Combien de jeunes de l'Axe sont tombés depuis l'arrivée du bandit qui n'est pas le président élu du peuple de Guinée, qui n'a pas été élu, qui n'a pas été choisi? Donc, la vérité, je vous ai dit, la vérité finira toujours à triompher. Vous venez de voir la déclaration de Mori Kourouni, le ministre de l'administration des putschistes, Mori Kourouni, Mori Kondé. Mori Kourouni qui vient de faire un communiqué. Les artistes, Mori Kourouni vient de faire le communiqué. Mori Kourouni dit que non, les manifestations de soutien, bah, de contestation, bah, que c'est interdit. C'est vous qui le saviez. C'est vous qui le saviez. C'est parce que si on n'avait pas mis le feu, Moumounou Tessa et Horé, et Mounou, changez-moi. Et Mounou n'a communiqué la minima. C'est pourquoi nous devons rester unis. Solidaires. Actuellement, ça les fait trembler. Actuellement, ça les fait trembler. C'est pourquoi je dis, ne parlons pas de parti politique, ne parlons pas d'ethnie, parlons de la Guinée. Oui, les forces vives, vive les forces vives. Oui, ça les fait trembler. Je vous ai dit, Doumbouya, il a quel soutien? Disons-nous la vérité, quand il y a eu le coup d'État, mais c'est l'opposition qui avait dansé. Mais aujourd'hui, cette opposition est déçue de ces bandits, de ces narcos. Oui, bravo les forces vives. Bravo le peuple de Guinée. Les soi-disant artistes. Le communiqué est là. Le communiqué est là. Vous sortez, nous sortons. Vous sortez, nous sortons. Pour montrer que oui, ce pays-là nous appartient tous. Le communiqué est là. Oui. C'est le pouvoir du peuple. C'est le pouvoir du peuple. Oui. Vous avez dit que non, non, non. C'est pourquoi j'ai dit chaque jour. Les forces vives, bravo à vous. Ils font des déclarations de soutien. Nous manifestons pour contester ces bandits-là. Ils le savent, ils font semblant. Mamadi est au courant de ça. Et jusqu'à le 5 septembre, nous sommes là. Nous n'allons pas changer. Nous n'allons pas changer notre position, nous restons fermes jusqu'au départ des bandits. Et les forces vives, nous vous disons chapeau. Oui, chapeau. Kota Kanas, artiste Fisrilom Balier. Oh, Minoua Araba Sono. Moribara Araba. Amouraba Rotananga Fede, les forces vives. Oui, le communiqué. Ngaye, Sena Otanira, artiste Koulamatié. Vous avez l'argent? Des gens sont tombés le 5 septembre. Plusieurs morts. Personne ne sait où se trouvent les corps. Et vous, vous allez sortir. Quand vous allez célébrer ça? Quand vous allez célébrer ça? La famille, la victoire est du côté du peuple. Et c'est pourquoi les forces vives, les partis politiques, quand je dis partis politiques, les partis clés, ils le savent. Il y a élection aujourd'hui en Guinée, c'est entre deux partis politiques, le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG ANAD. Si ce n'est pas le président Alpha Condé, je l'ai dit, tous ces opposants qui sont en train de bavarder, hey, élection aujourd'hui en Guinée. Le président Alpha Condé n'est pas candidat, c'est Dr Kassori pour le RPG. C'est entre Dr Kassori et Sélou Dalé. Tous ceux qui sont en train de rêver, les Siakabari ou je ne sais quoi, ils sont en train de compter sur la force de Mamadi. Et ça là, c'est Dieu seul qui a la réponse.
C'est Dieu seul, Allah subhanahu wa ta'ala, qui a la réponse de ça. Nous, on est pressés. Il y a eu coup d'état au Gabon, non, sans effusion de sang. C'est-à-dire, quand Dieu décide, rien ne peut arrêter. Allons-y seulement. Allons-y. Mais le peuple, c'est de rester soudé. Pour ne pas qu'il y ait de division. Peul, Malinké, quoi? Mettons ça de côté. La Guinée avant tout. Parce que depuis l'arrivée des bandits aujourd'hui, le sac de riz, il n'y a pas le prix pour une ethnie. C'est tout le peuple de Guinée qui paye. Ils ont augmenté les tarifs de la douane qui paye. C'est tout le peuple qui paye aujourd'hui les frais du coup d'État. Donc nous devons rester unis, soudés pour faire partie de ces bandits. Ils ont compris. Je les ai dit, la seule chose qui les arrange aujourd'hui, les 24 mois qui a été signé avec la CEDEAO. Les bandits pensent que non, ils ont un soutien. C'est pourquoi ils veulent faire bruit, pour faire croire à la communauté internationale que le peuple de Guinée, les gens les soutiennent. Mamadou Doumbouya, où il s'est tapé la poitrine, c'est pas sur l'axe. Est-ce que le bandit ose aujourd'hui aller prier à la mosquée de Bambeto? Donc, restons soudés. Force vive. La dernière fois, vous avez écouté Fode Oussou. Et tout le monde a compris. Tout le monde a compris. C'est pourquoi je vous dis souvent, pour l'avenir du pays, il faut faire des sacrifices. Oui, hier, le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG, ils n'étaient pas d'accord. Mais tous les deux grands partis là aujourd'hui, ils ont intérêt à rester soudés. Sinon, ce petit groupe, des gens qui ne veulent même pas, c'est-à-dire ce petit groupe, même si vous comptez, ils ne vont pas dépasser 10 000 personnes. Par rapport à combien de millions de Guinéens, ils ne vont pas venir nous manipuler. L'UFDG et le RPG Arc-en-Ciel ont intérêt à rester soudés. Tant qu'ils sont soudés, Mamadi ne dort pas au palais. Tant qu'ils sont soudés, les bandits ont peur. Vous avez vu dans quel pays normal des bambins, des traîtres viennent qu'ils vont éliminer ces loudalais de la course aux élections. Qu'ils vont éliminer l'UFDG. Ils vont éliminer RPG Arc-en-Ciel. Mais je vous ai dit, ni Blancoroyate, Aliaké, Féo. Prenez l'arrêté, le décret, pour dire l'UFDG et le RPG, ils sont dissous. Alda l'oyene boutoko dja, ko, il y a de ces erreurs, il ne faut pas commettre. Marafa l'unyeno, le jour que vous êtes prêts, là, faites le communiqué. Vous dites que Ella Seudal n'est pas candidat, ou le RPG, les gens ne sont pas candidats. Aldi tado Allah, vous allez comprendre que le pays là, moukren tate. Vous allez comprendre que Mamadi, c'est un zéro. Vous allez venir comme ça diviser les Guinéens. Vous connaissez les partis politiques qui sont représentés dans ce pays. Vous êtes en train de jouer avec la dignité de nos anciens dignitaires. Pendant ce temps, vous êtes en train de voler, construire. Mamadi est en train de construire des bâtiments partout. Sa famille. Et après, c'est pour nous parler, oui, mais gabegie financière des bandits. Maintenant, nous allons réagir par rapport à vos comportements. Vous respectez le peuple. Et on vous laisse tranquille. Mais vous vous comportez comme des personnes inconscientes. Et nous allons vous ramener à la conscience. Parce que vous ne pouvez pas venir prendre le pays en otage. On dirait que la Guinée, le titre foncier, appartient à vos parents. Ça appartient à tout le monde. On ne peut pas exclure quelqu'un des élections. Je vous dis, vous faites semblant. Vous faites semblant. Vous connaissez le poids du RPG Arc-en-Ciel. Vous connaissez le poids de l'UFDG à NAD. Mais des politiciens, commerçants, vont venir vous dire, voilà, faites ça, faites ça. Allons-y seulement. Vous n'avez rien compris. Hein. Mamadi, je t'ai dit, la seule chose qui va te sauver, là, tu as deux options. Tu remets le pouvoir du président Fakonde, tu fous le camp. Parce que tu as déjà mis le pays à terre. Ou deuxièmement, tu organises des élections et tu laisses tout le monde tranquille et tu fous le camp. Mais si tu penses que toi tu es fort, tu pourras essayer d'exclure qui que ce soit. Wallahi, tu te trompes, Mamadi. Ça ne se fera pas, Mamadi. Ça ne se fera pas. Ça, je vous ai dit, ça ne se fera pas. Vous ne pouvez pas exclure celui d'aller. Mettez cela en tête. Même s'il y a Touré. Vous ne pouvez pas exclure Sidia Touré. C'est au peuple de Guinée. C'est au peuple de Guinée. Comment vous, des criminels, vous allez parler de justice dans ce pays?
Le 5 septembre, où se trouvent les victimes? Comment des bandits vont venir nous parler ici de droit? Dehors la loi, vous allez nous parler de droit. Hein? Non, non, non. Khadija Souma, on a tout leur communiqué n'est pas signé parce que Ebara Garou. Et Tori, c'est un rané même fétina. Et rané tout, mais rané ménétina. Akolo, à nous mélanger et à corser. La Guinée, sorry. Moi, je vous ai dit, c'est parce que les militaires là, aujourd'hui, beaucoup ont peur. Sinon, sans quoi, l'affaire de Doumbouya est finie. C'est-à-dire, actuellement, la Guinée, dans leur majorité, 95%, Birimbara Tagan, deux ans, comme l'a dit le président Fakonde, plus le singe monte haut, on voit son derrière. Birimbara Mamadira Limito, Kamberem Badoro, Efaé Borutongo en otage, ils n'ont aucune notion de la République. Et Namiri Belebele, et la Yagifé, le docteur Kassori, et Nageli, justice Namoundé, malgré que les juges de la CRIEF demandent leur libération. Un farfelu, Ali Touré, Nefanga Tibé, Kono, Etanana, Sembemanana, Etanana. Et Birina Doumbouyara, force Nagambira, les Charles Wright là. Des farfelus comme ça vont venir, Kono, eux ils sont des ministres ou je ne sais, procureurs. C'est le temps de Mamadi Doumbouya. Nanara au Kanke Bombofé. Mais bientôt, Ndamara Falaobe, Sarakayo Mouna Mamadi a fait son nom. Abarakana. Abarakana. Voilà. Sadio Ba, pardon, il ne faut même pas les répondre. Laissez-les, ils n'ont qu'à insulter. L'affaire là est déjà finie. Oui, victoire du peuple. Oui, vive les forces vives. Il faut mettre la pression. Ote Sadie Khore. Pour que Rassiga. Ote Sadie Khore. Mais Rébara Taga. Et Bandira Famoura, l'armée guinéenne. Il vient défaire l'armée guinéenne. Faire ce qu'il veut de l'armée guinéenne. Pendant que les commandants des colonels aujourd'hui crèvent de faim. Le bandit est en train d'engraisser les éléments derrière lui. Parce que lui, c'est la force. Parce qu'il s'est dit, oui, les forces spéciales, tant qu'ils sont derrière lui, des éléments de force spéciale prennent aujourd'hui jusqu'à 30 millions de francs guinéens. 3 000 $ de primes. Pendant ce temps, nos commandants, nos colonels aujourd'hui, d'autres n'ont même pas de véhicule. Amoussé Sekolo, fera intérêt. Amoussé Sekolo, fera intérêt. Non, mais les forces vives, franchement, je suis fier de vous. Les partis politiques, franchement, nous sommes fiers de vous. Et c'est ce que nous vous avons demandé depuis longtemps. C'est ce que nous vous avons demandé depuis longtemps. De rester unis. Tant que l'UFDG, le RPG, UFR, la société civile, tous ces gens-là, ensemble, les bandits ne peuvent rien. Et l'Arfinkal Narana, c'est les mêmes armes qui vont se retourner contre eux. Mais c'est parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore mis la pression sur eux. Nanara et Nyampure. Mais Rassoumane est derrière et comprend Mané. C'est quand le peuple va se lever, vous allez voir tout de suite, Dieu sait s'aimera. L'armée guinéenne, l'armée c'est toujours comme ça. Il regarde le mouvement du peuple. Et Nato Foye Sigamadenere, Mounanam Falare, tant que nous sommes assis, ces bandits-là se croient supérieurs, ces bandits se croient légitimes. Mais c'est le peuple qui doit se réveiller. Tant que Omoukeli, dit bandit et l'arène et canne, et també, non, non, non. Du pouvoir Badé et Yira. Mais ça, c'est une première victoire pour les forces vives. Et ra supporter et ne rouillera mini. Moufa, moumou rouillera mini mané. Moi, son Emma. Moi, Massé Ebé. La démocratie, c'est le choix de la majorité. Oui. Bravo encore, les forces vives. Bravo, les forces vives. Vous n'avez pas encore secoué. Ouah, Massé Ngene Ebé. Mais n'a rien son nom. Olamane aurait secoué. Il faut vraiment une grande mobilisation. Parce que quand les poutistes, quand il s'agit des manifestations de soutien pour montrer à la communauté internationale qu'ils sont soutenus, ils savent le faire. Nous devons organiser des mobilisations sur l'étendue du territoire pour montrer aussi à la communauté internationale que le peuple de Guinée en a marre de ces narcos qui dirigent la Guinée. En a marre de ces bandits, de ces totos, de ces bonariens qui dirigent la Guinée. On est fatigué. Et 2 ans de transition. Transition, c'est organiser des élections et foutre le camp. La Guinée n'est pas comme le Mali, où on perd du nom le pays. Voilà, il y a un problème de sécurité. Rien. Les partis qui doivent participer. Non, il n'y a pas de problème. Le fichier qui est là, on peut le faire. Mais les bandits et Mouama n'ont pas fait. Donc, continuons à mettre la pression. Pas de recul. Pas de recul, il faut les mettre le feu derrière. Oui,
depuis la journée et paniquer. Ils sont paniqués. Et moi, je suis en train de faire. Tant que dehors, dit bandit, ils se sentent légitimes. C'est quand vous les mettez le feu maintenant, ils parlent de dialogue, ils parlent voilà, de négocier. Vous avez vu ici? Quand les jeunes de l'Axe sont sortis, ils ont mis le feu derrière ces gens-là. Ils n'ont pas libéré les Fonkemangue. Est-ce qu'on a parlé de justice? Hé, Dieu Moussé, c'est Kolofote. Ité sa Ekhore, Nata Eyete Kolomane. Ils ne connaissent rien sauf la pression. Mais tant qu'on est assis, Mouna Oumbelaga, Maranana Fala. Vous pensez, c'est pourquoi j'ai dit le RPG arc-en-ciel. Nous sommes des poules mouillées, souris mouillées, parce que Mouta Mouberaba m'a dit un ancle. C'est pourquoi je tire chapeau. UFDG, FNDC, et même Aimé Belou Manade. Si vous voyez que les Fonikiri Mangue et autres ont été libérés, si vous voyez que les docteurs Kassori, les Damaro et docteur Diané sont en prison, parce que le RPG aujourd'hui, c'est devenu un clan de Nafigi. Il faut le reconnaître. Hein. Il y a les fidèles et des fidèles. Les Nafigi, regardez ceux des malhonnêtes comme ça. Hein? Ce monsieur, directeur adjoint de Sonapi, lui, voici des Nafigi aujourd'hui. Voici eux, les Nafigi, qui ont cassé le RPG. Le voici. Il est en complet. Chapeau Alpha Condé. Les voici. Voici des Nafigi aujourd'hui, à cause de leur intérêt personnel. Ils ne veulent même pas que le RPG triomphe. Parce que lui, il occupe toujours le même poste. Au temps du président Alpha Condé. Voici des malhonnêtes comme ça. Voici des malhonnêtes qui ne veulent même pas que le RPG arc-en-ciel, l'UFDG, ces partis-là, avance. Nalta te fils, lui l'ont balayé. Si ce n'était pas le parti du RPG arc-en-ciel. Il est très dit que directeur, un malhonnête qui a toujours des problèmes. Tout le temps à la justice. Tout le temps à la justice. Voici des escrocs. Voici des gens qui font que Doumbouya, il va toujours échouer. Parce que c'est des gens qui ne connaissent que leur intérêt personnel. Voici. Des malhonnêtes comme ça. Au temps du président Alpha Condé, toi, on t'a tout donné. Ta famille, tu as tout eu. Aujourd'hui, on piétine la dignité du président Alpha Condé. On piétine les anciens dignitaires. Voici les escrocs qui vont s'asseoir. Que non, non, non. Anaké mandekole, mankayakole, asinita bonita. Des malhonnêtes comme ça. Mais vive l'unité nationale. Vive les forces vives. Tant que nous sommes unis, ces bandits-là ne peuvent rien faire. Tout ce qu'ils vont entamer, ça ne passera pas. Mais si vous voyez que Ousmane Gawal, lui, se sent à l'aise. Il a eu des milliards. Il a tout eu. Donc tout ce qu'il veut aujourd'hui, que l'UFDG se gâte. Lui, c'est la tête de l'UFDG, il veut. C'est pareil pour ces gens-là. Ceux qui étaient aussi dans le RPG, tant qu'ils mangent avec Doumbouya, eux, ils s'en foutent de ces autres. Donc, restons unis. Restons unis. Les partis politiques, ils sont conscients. Ils savent que oui, élection en Guinée, c'est entre les deux, UFDG ANAD et RPG Arc-en-Ciel. Donc, c'est chercher à casser l'élan. Casser l'élan de l'UFDG. Casser l'élan du RPG. Mais ils ont échoué 2 ans. 2 ans, ils ont tout planifié. Contre Seloudale, ils ont échoué. Contre UFDG, ils ont échoué. Contre le RPG, ils ont échoué. Nous, nous restons fidèles. Et nos bases restent toujours fidèles. UFDG, pareil. Il suffit aujourd'hui qu'on dise Seloudale. Rentre aujourd'hui. Ils vont voir la mobilisation. Il suffit aujourd'hui qu'on laisse que le président Alpha Condé rentre aujourd'hui. Ben, c'est ceux qui ne veulent pas. Donc c'est pourquoi ne tombons pas dans leur jeu, dans leur piège, la manipulation qu'ils sont en train de préparer pour voir ces partis à terre. Ça ne marchera pas. Voilà. N'eût été les forces vives, n'eût été les forces vives, on allait, ces bandits-là n'allaient pas mettre ce décret-là ce soir. Vous avez vu leur communiqué là. Ils n'allaient pas mettre le communiqué ce soir pour dire les manifestations de soutien au CNRD, les manifestations contre le CNRD, que tout est interdit. C'est parce qu'ils ont compris que ce n'est pas dans leur intérêt. Il y a combien de personnes aujourd'hui qui vont sortir les soutenir? Et ils savent que la majorité des Guinéens seront contre eux. Sinon, manifester, c'est un droit aussi. Sinon, manifester, c'est un droit. Ils pourraient nous laisser. Et là, ils vont voir le rapport de force entre ceux qui sont contre eux et ceux qui les soutiennent. Ils allaient faire du fiasco. Hein? Regardez, le communiqué. Première victoire des forces vives. Première victoire des forces vives. Pas de recul, c'est fini pour ces gens-là. Wallah, c'est fini pour eux. Ngabaraban. Agne Loma Konoléladi.
C'est comme quelqu'un qui est malade. On dit que non, il a diabète ou il a le cancer. Le docteur prescrit. On dit non, il a 3 mois à vivre. C'est pareil pour le CNRD. Si vous les entendez dire, voilà, la transition, ça doit réussir. C'est que, est-ce que vous avez entendu les putschistes au Bénin, les putschistes au Mali, en train de dire, la transition doit réussir? Non. Les putschistes du Burkina, non. Ils ont un programme. Ibrahim Traoré, il fait ce qu'il a fait. Assimi Goïta, il a un programme, il fait ce qu'il a fait. Mais est-ce que vous avez entendu les slogans au Mali, au Burkina, que la transition doit réussir? Non. Parce qu'ils ont un programme. Mais si vous voyez que les bandits, est-ce qu'au début, les bandits ont parlé de ça? Non. C'est parce qu'ils ont compris que ça a échoué. Ça a échoué. Voilà. Donc, la famille, c'est une victoire du peuple de Guinée. La pression sur le CNRD, oui, ça a payé. Ça a payé. Mori Kourouni, Mori Kondé, le ministre de l'administration et du territoire des putschistes, oui, il dit pas de mouvement de soutien. Bon, les forces vives, c'était pour venir dire à ces soi-disant artistes, à ces soi-disant démagogues, à ces soi-disant ou les Fale Fissiri Lombali, qu'on qui vont célébrer, juste pour manger de l'argent. On va avoir compris ma soto. Donc, au Khwarera de Robangi, au Débalan, on va avoir compris ma soto. Au concert organisé, Khemou Kobri Soi, on va avoir compris ma soto. Au Khwarera de Robangi, au Débalan. Mais il y en a des rabbini son nom, ou bien manifestation de soutien. Mouta Kolomou Naganabama. Parce qu'on a Araba, Moufa Araba, Mane. C'est aussi simple. Vous soutenez, nous contestons. C'est aussi simple que ça. On a dit 24 mois, non. Nous, on n'est pas pressé. Les 24 mois, là, il reste combien? Rien ne faire. Même la Constitution, rien ne faire. Nous, on n'est pas pressé. Je vous ai dit, c'est d'autres militaires qui vont terminer la transition, là. Et Inch'Allah. Non, moi, l'année prochaine, Inch'Allah, ça ne me trouvera pas ici aux États-Unis. Inch'Allah, l'année prochaine, ça ne me trouvera pas ici aux États-Unis. Wallah, le travail, ça sera fait. C'est d'autres militaires qui vont finir ça. Yeah. On a ça au Rouni. Nous avons fait mon amour en Réki. L'année prochaine, fais quoi tes marres. Maman dit, Sara Kata la Fouista la Abrabatiena. Le mieux pour toi, il faut fuir. Tu as la nationalité française, tu es légionnaire. Le mieux pour toi, c'est de fuir. Mais dire que tu vas t'asseoir. Maman dit, Enisugu, la Guinée, sorry. Enisugu. Ha, ha. Tu vas nous dire qui a mis de l'eau dans le coco. Maman dit, parce que tu vas tout payer. Tous les soldats qui sont tombés le 5 septembre, Mamadi. Tous les soldats qui ont disparu depuis le 5 septembre, Mamadi. Et tu vas te justifier, Mamadi. Nko Srakati Lakola. Bi, Fanka, wole akakima demeti. Mais Fanka, oui. Ça ne tient plus maintenant. Parce que l'armée guinéenne aujourd'hui vit dans la misère, Mamadi. Fanka, oui. Les gens vivent dans la misère, Mamadi. Nka Fali Yanema Allemand, mais. On vous a parlé ici, vous n'avez pas compris. Vous avez cru que non, ce pays-là, ça vous appartient. Ne pas faire l'union. N'kante sangbere m'a dit. Sami. Dobrete dit. Abraban. Tu sais, au départ, avec le soutien de l'UFDG, de l'opposition, c'était difficile. C'était difficile. Mais aujourd'hui, tout le monde a compris. Tout le monde, la majorité des Guinéens, les gens ont compris que non, c'est des simples bandits, des narcos. Maman dit, ici, vous voyez que. Ces gens-là parlent de panafricanistes. C'est un légionnaire. C'est pourquoi, quand je vois les panafricains là parler de Mamadi, je ne fais que rire. Kémi Séba a compris que Mamadi est un traître. C'est un légionnaire. C'est un produit de la France. Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, ils ont tous compris que Mamadi est un traître. C'est un produit de la France. Le système que eux, ils combattent, c'est le système là qui est en train de soutenir Mamadi. Mais nous allons dire aux Français, vous savez le Burkina, tout ce qui se passe au Burkina c'est petit, je vous dis. Tout ce qui se passe au Niger aujourd'hui, les mouvements anti-français, si nous les Guinéens nous commençons, nous avons été les premiers à demander l'indépendance devant toutes ces colonies françaises. Donc le mouvement en Guinée, ça sera ferme et on ne fera pas de cadeau, on vous dit. Actuellement, Mamadi est en train de faire le double jeu. Pour ne pas que oui, les gens disent que oui, il est soutenu par la France. Nous le savions, on n'est pas pressé.
Nous le savions. Il peut faire le double jeu. Il va beau faire. Assimi Goïta aujourd'hui a fait dos. Ibrahim Traoré a fait dos. Les panafricains aussi, comme les Kevin Seba, ils ont fait dos. Mais on n'est pas pressé. Si vous continuez et que ça dégénère, le mouvement anti-français en Guinée, ça sera pire que pour le Burkina, ça sera pire que pour le Mali. Parce que nous, avec feu Ahmed Sékou Touré, père son âme, lorsqu'il a décidé, on a dit non, on a dit non à tout. La monnaie, est-ce que nous sommes dans le franc CFA? On a dit non à tout. Voilà. Même l'ambassade, on ne va même pas accepter qu'il y ait l'ambassade chez nous. Donc continuez à soutenir le bandit là. Ne nous dites pas d'organiser des élections. Hein, parce que vous étiez contre le président Alpha Condé. Vous l'avez soutenu pour faire partie le président Alpha Condé. À cause du projet Simandou. À cause du projet Simandou. À cause des réformes du monsieur. Parce qu'il vous a dit, coupons le cordon ombilical avec la France. Et vous venez vous flanquer aujourd'hui à soutenir ce bandit-là. Nous, on n'est pas pressé. Le mouvement anti-français en Guinée, nous, bon, déjà, c'est dans notre sang. C'est dans notre sang. On coopère, on est en train de coopérer dans la paix, dans la tranquillité. Et comme vous ne voulez pas ça, vous voulez soutenir un bandit, vous voulez imposer un bandit au peuple de Guinée, ah là, je vous dis, vous allez le regretter. On n'a pas de haine d'abord contre les Français, contre la France. C'est le bon moment, vous allez dire aux bandits d'organiser des élections et foutre le camp. Ou de remettre le pouvoir à qui de droit et foutre le camp. Mais si vous continuez à soutenir ce bandit à la tête de la Guinée et que les Guinéens se réveillent, vous allez tout perdre. Nous allons rentrer dans la danse comme les autres. Voilà. C'est parce que quand vous exagérez que les gens se lèvent contre vous. Donc, la famille, le combat continue. On est ensemble. Alabara non di Mali. Moura force vive. Et Tote Sadio Khore. Et Bara Colon. Yama. Nagana et Comte. Nanango. Donc, Ebara comprend son nom. Et Naga. Manifestation de soutien. Amou Lama. Ils disent. Mouvement de soutien. Et on peut faire ça. Même des gens qui te soutiennent, on peut communiquer. Parce que les forces vivent. Parce que les forces vivent. Les ont secoués. Ils ont eu peur que non, non, non. Manifestation de soutien, on ne veut pas. Mais lorsque le bandit va se promener à Cancan, on a vu tout ça. Mais cette fois-ci, là, le 5 septembre, pour ne pas qu'il y ait un autre 5 septembre, pour ne pas que ça déborde à Conakry, Bandifa qui a Nagabara Garou, Sore Nagakeli, Evala, Hé, Osiga, parce qu'ils savent, à nous dégénérer, la Guinée armée est décidée, Mané, Evala, Hé, Mamadi, et Tangasiga, Diborga Luna, Ifarne, Imoulibe, Imansiga, Mané, Imouluna, Awa Mamadi Garou, Nanama, parce que c'est le 5 septembre, il a fait le coup d'État, et il y a un mouvement de contestation qui est programmé pour demain. Les bandits ont eu peur, ils ont interdit. Mouvement de soutien. Bon, nous on attend, hein. On attend le communiqué des forces vives. Moi encore, je n'ai pas encore vu. Ceux qui ont vu le communiqué des forces vives, la journée de demain, est-ce que c'est maintenu ou pas? Jusqu'à présent, on entend d'abord le communiqué des forces vives pour dire si nous devons sortir ou si nous devons renoncer. Mais pour l'instant, nous attendons. Eux déjà, ils ont dit c'est fini. Bon, Traoré Yacouba, j'ai dit la transition dans les pays poutistes, là, c'est pas fini. Hein. La date qui a été donnée, ils n'ont pas respecté. On dit encore une année, 6 mois encore au Mali. Je vous ai dit, c'est-à-dire eux-mêmes, ils vont faire un mandat. Ils vont faire un mandat cadeau. Pendant ce temps, le peuple est en train de pleurer. Bon, je ne vais même pas parler de l'Afrique. Nous, d'abord, c'est de la Guinée actuellement. Nous sommes en train de parler. En tout cas, à bas les opportunistes, à bas les poutistes, à bas les incompétents, restons soudés et Inch'Allah, la vérité va triompher. C'est le pouvoir du peuple. Ne parlons pas de Peul, ne parlons pas de Malinké, ne parlons pas de forestiers, ne parlons pas de Soussou. Parlons
que de la Guinée. L'unité nationale. Parlons que des forces vives pour faire partie ces bandits qui sont là aujourd'hui. Ces narcos qui ont compris que non, c'est fini. La peur au ventre. Je vous ai dit, moi j'attends seulement votre communiqué. C'est-à-dire la partie que moi-même je veux là. Votre soi-disant arrêté que Seloudal est exclu, UFDG est exclu, le RPG est exclu. C'est ce qu'on attend. Wallahi, vos biens, Allah bonlou, Aldi Perda Bella. Nal Mako Massa, Alia Fokone Tote Damaro. Je vous ai conseillé et je suis fatigué de vous conseiller. Je vous ai dit, je suis sur la défensive maintenant. Je suis à l'offensive plutôt. Je ne suis plus à la défensive. Je suis à l'offensive. C'est-à-dire qu'à l'attaquer, hein, Aliébé. Le moment de vous conseiller là, on a fait déjà. Et personne ne va rester à la défensive pour dire c'est vous qui allez venir contre les. Non. On va vous secouer maintenant, vous allez comprendre. Kodja, c'est le pouvoir du peuple. Et ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé, vous faites le coup d'État. Vous dites que non, c'est le troisième mandat. Mais donnez le pouvoir à Seloudal. On va quitter là. On va avancer. Si c'était contre le troisième mandat, alors si ça veut dire que vous dites que non, vous avez fait votre coup d'État, c'est le troisième mandat. Ce qui veut dire que non, le président Alpha Condé ne veut pas gagner. Si c'est Seloudal qui a gagné, alors, mais donnez le pouvoir à Seloudal et foutez le camp, on va avancer. Au moins, s'il y a un civil, il y a des civils, on va s'affronter. Mais non, 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 on vient, on dit troisième mandat, instrumentalisation de la justice, le peuple ne se parlait pas. Des bandits, des narcos font le coup d'État, ouais. Vous venez tromper tout le monde. Des bandits viennent faire le coup d'État. Aujourd'hui, où est Seloudal? Où est Sidi Touré? Hein? Ceux qui étaient opposés, on dit non, ça n'allait pas. Crise politique. C'était qui et qui? Le RPG arc-en-ciel et l'UFDG. Aujourd'hui, ceci, c'est pas. Mais les bandits pensent que non, ils sont intelligents. Aujourd'hui, ceci-là se parle. Et vous allez berner le peuple. Ah ouais, c'est pourquoi ces bandits-là ne voulaient pas qu'il y ait union entre les forces vives. Eh bien, vous avez échoué. Vous avez échoué. Vous avez échoué. Nous, on est calme. Les 24 mois, là, c'est ce que tout le monde est en train de respecter. Les 24 mois, c'est ce que tout le monde... Et on a fait combien de mois déjà? Mara Falouyane, Almanya Ifonoba. Na la tadi do alkoola. Wallah, tadi do alkoola. Vous allez tous fuir un à un. Na la aldiwa. Vous n'avez rien compris d'abord. Vous êtes en train de jouer avec le feu. L'armée aujourd'hui, vous êtes en train de... Vous n'avez rien compris. Même les petits qui sont derrière Doumbouya, wallah, c'est eux qui vont l'attacher ici. On dirait un voleur. Les petits là, pour sauver leur tête, qui veut terminer comme Marcel? Qui veut terminer comme les dadis? Vous n'avez rien compris. Mara Falouyane, Nko Allah Saraka a deni nete. Feni fitin neta toka Allah Saraka kate. Alda Foko Dja, moi tout encore. Même ceux qui crient aujourd'hui, soutien Mamadi, c'est toi qui peux. C'est des affamés. C'est des cocos. C'est des gens qui n'ont pas de dignité. Qui étaient avec le président Alpha Condé. Qui étaient avec Seloudal. C'est des cocos. Ils n'ont pas de dignité. Les Ousmane Gawal. Donc, le combat continue. On est ensemble, la famille. Qui est à pouvoir, merci à vous. Merci. Merci à Almami Diallo. Merci à tous les patriotes. Voilà, victoire, victoire au peuple. Vive les forces vives. Vive les forces vives. Voilà. Non, m'fali. Kakoro. Non, non, non. Aloukalon, alial teoulali. Aloukalon, bekomos, talouko. Nika luye bi, alial sila. Kono, koka koke mandekoye. Albara lokal, bara échoué. Fisri l'on balilou. Comme un cadre le cassola bi docteur Dianelu Damarolu ana mo balue cassola bit get le tewe man ka den warti ali aka bi kaulam malu yabi ka amakosa albrapana alieni sibi kono ko man ka kole anyira kan kole fisilom balilu ni present fa kone tu ma fan kata kadima madima ale mo kren lu fisilom balilu altere da fa kono kama ko man ka lu ka supporter ama foi ke man ka lu ne be kan jamana be ma fane bi Goudron ya beso kono. Hein? École ni fembe. Mais fils rilom balilou. Aldin el sibi. Kono koka ou koka man kaya koi. Et bandi lu aka kana mobal la maloya. Bandi lu aka kana mobal la maloya. Ko danka lanko. Kwanye ke bandi luko. Et. Alma bosa makabeu. Nko sababu le kobe la.
sababu le kobela albrana mobal buena et enfona damaku mais tant que aliaka kana mobal la maloya enfona et des gens disent que Damaro tu te fatigues pas, je vais me fatiguer pourquoi? Tant que les bandits sont là, moi je ne peux pas rentrer au pays. Tant que les bandits sont là, moi je ne fais que travailler, envoyer à des gens. Mes heures, je ne fais que doubler mes heures. Parce que les gens pleurent au pays. Parce que tout est aux arrêts. Parce que tout est aux arrêts. Ok. Attendez. Toi, le maudit de Burkina, la Côte Bansé, là, tu es banni sur cette page. Comme vous, vous n'avez pas de dignité là. Nous, là, nous on s'assume. Voilà. Comme vous, vous n'avez pas de dignité là. Restez dans pour vous. Je viens de te bannir. Va créer notre compte. Tu vas venir regarder le général. Voilà. Donc, merci Mohamed Diawara. Merci à Keïta, Pouvoir Keïta. Merci à vous. Merci à Mamadou Aboulaye Diallo. Voilà. Merci à Ousmane Barry Barry. Merci à Sier Robert Koulibaly. Merci à Souleymane Touré, Djibril Koïta. Lamine Kindia Barry, merci à vous. Merci à Moussa Dembélé. Merci à tous les patriotes. Le combat continue. Sosé Mengue, Tanti Ramat Memonatoulaye, merci à vous. Souleymane Touré, merci. Merci à tous les combattants. C'est la victoire de tous les combattants. C'est la victoire de tous les combattants. Tous ceux, parce qu'on a compris, on s'est dit, les attaques inutiles, il n'y a pas d'élection. UFDG, RPG, UFR, Nabiri, Zéro Nara. Mounafla Mouganaraba. Mouyomoua Madumbouyaron. Mais si on s'attaque entre nous, hein? On s'attaque entre nous, c'est, on donne la force à ces bandits-là. Et c'est ce qu'ils aiment. Tant que nous sommes divisés, les bandits sont à l'aise. Mais ils n'ont pas de soutien. Sinon, ils pouvaient laisser ceux qui parlent de soutien, soutien-là. Ils vont voir. Ils connaissent l'Axe. Ils connaissent le RPG. Ils connaissent Kankan, Sigiri. Molu Tredibo. Ils savent, ils ont donné de l'argent à Sigiri. Sigiri Kalu Koko Djanfan Tétanye. Les gens de Sigiri. Djelima. Ah, Djeli. Djeli Horon. Sinon, Djeli Lu Koko Djanfan Mai. Mais Djeli Djanfan Telu. Djeli Fisiri Lom Balilu. Djeli Koko Lu. Djeli Feninina Lu. Djeli Finkota Lu. Ulbara Warabi. Sinon, Djeli Horon. Horon. Horon te Konko. Mon Numa Lugadi dit Horon. Djeli Makuyate. Non. Quand on dit un Djeli Horon, c'est Djeli Mankouyate. Mais Djeli Finkotolu, Djeli Vuyafolalu, Djeli Nangarabalu, Djeli Kumakelaku, c'est-à-dire qu'à Kumakurulu fo. Ko otoko kamande la da. Djeli Vuyafolalu. Djeli Minouyaka kamande kuna tien. Djeli Minouyaka kamankalu kuna tien. Alte tien fo la. Fisri l'on bali luyena ka kudetake. Alte ou tien fo. Ka anamo bal la maloya. Alte ou tien fo. Ki si, ko mamri. Eh, fakar sabra mamri dima. Albert Satoli kirin kirin. Albert Kititoli. Nafia, intérêt personnel, Nalma Dabla. Ah, elle dit Djelul Mano, sinon Mande Djeli, elle fouille Taboro, elle dit Tienfo. Mais Albara lui dit Kefen Kotoy, Abebra Kefen Kobalay, Tien Mandi, Alunyabutu. Et Tienfo, au Tena Teriasala, Albara Tienfo la bandi lunyan, et Aliana Mobalbla, Nalkake électionne Aliake, mais Alkalombi comme au Tema Madiko, Alkaolo. Mais qui bat au Fokoma, qui ici, Abraham Ridima, Abraketa, Al Satole, Abeto Talkole. Al kiyama beki titoli. Voilà. Al yé fin fe kakatabi. Ida tabi sini de djankaro. Adi tu ko. Mais tiens. Au moins si la dignité ou. Adi fo. Eh. Mouna be afla beko djelima. Ne ma deskerendi djelima ma. Mou mou kouma la be djelima ma. Mou si ma deskerendam. Horon lou. Ibra nyuma fola. Ibra tiens fola. Djelima kankerenti. Hein. Mais djeli tol bra lui reke fin kotoli. E mou di mou mato. Mais quand moi m'a tort via quoi quand? Et quand moi m'a tort via quoi quand? Si vous voyez que Mamadi a lui une erreur que là, allou la kaka via fort. Voilà. Donc merci à tout le monde. Désolé, il fallait dire à nos frères à Malinké pour qu'ils comprennent nos griots qui sont devenus maintenant des menteurs qui encouragent ces bandits là à faire des bêtises. Donc j'étais en train de les dire. D'arrêter la démagogie, de dire la vérité. Voilà. Donc, le combat continue. On est ensemble. Voilà. Kalou Sangaré, merci à vous. Et demain, c'est demain. S'ils veulent, ils n'ont qu'à sortir. Parce que Takana, il faut y ramener. Il n'y a pas de problème.
et nous mini boré mini mané à nous cana eh ben si ça déborde de la fautard à nous déborder ya cos mutayatu wa mananango à nous déborder maintenant la Guinée sorry Hank Limay ils vont prendre c'est coupable Rumba merci à vous Patrick Kalo merci restons fermes Hassan Sherif merci à vous. Merci à Keita pouvoir. Non, non, non. Beilaka ou mbeo le fanyene. Ni konya ka fisri l'on balite. Ni konya ka fisri l'on baliute. Ma fofana ka fofana. Ni konya ka fisri l'on baliute. Ni konya ka fingotoute. Jamana mi. Atouf la konya ka oumadi. Ko Liberia. Ba mobra mouta ni Liberia. Liberia le di andou wati. E kreke mobra mou ko seifana. Atouf la konya ka oumale ko Liberia. Amu okrani warandu. Mais adjene tout di poste brebre la. Eh mon mitere na oke la. Ko dangale anuko. Bi afla jene ma bi ko konya ka ko Liberia. Ni soulon baloute. Oulu ni si bi ko prezal fa konne ma foske. Sa di mbe konya ka. Sa di mouro kurondo yiri si la bi. Ko non ko prezal alfa konne ka ma foske konya ka onye. Ni soulon baloute. Bikoso mou kunda amara. Kambre basu yamu nukoso. Ouna konya ka jene ka la minisi. Konya ka minisi. Aucun génétique de l'eau. Qu'on n'y a qu'à président de l'Assemblée, aucun génétique. Qu'on n'y a qu'à policier qu'on dit, à l'eau sous l'homme, balou, quoi, comme un aide à Maroma. Ma foi, y en a. Aïe, quand y a manamana qu'on faut l'aller. Mais à te fausse les bois d'Amaroula. Manamana qu'on faut là-haut. Vous qui ne pensez qu'à l'intérêt personnel. Mais Djamata a été mis là-haut. Moi, je n'ai qu'à aïe bon oro. Qu'à valer blaïla. Sous l'homme, balou, ou ni si, quoi, aïe, comme à ton éma. N'est qu'à y aller là. Alloule ma y aller là. Alloule ma y aller là. Moi, je suis un peu plus de temps. 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 Je Kone ya kamuwa krantuwe, aduu kata urusi kafe mbeke. Mek, aminisi, oke ni watijuma. Mana mana mounisi. Voilà. Toa, Lamine Kamara ko ikon de konya. Ikon betimi bafwe la. Ikon betimi bafwe la. Ikon betimi fabu la. Ula kera un nivou sukre. Ibe, mana mana mwa la fabu ma. Leur nivou de tu peux la comparer? Ou la expérience, tu peux la comparer? Mana mana mo su yamenu ni bandi. Mo mo te fosse ma fo musoko. Ou ya kabika ka chweni ke chweni bolota. Sibri baroka kambrela bonsani 2 millions amara bota wari yemini. Ali sa surutun de mo mi buru. Ani si mana mana kan fo la ko biko ko konya kalewe. Konya ka jori ken minisi aya termino. Alu sulom palimiko ikon. Donc Seydou Keita merci. Mohamed Diawara, merci à vous. Ahmed Barry, merci. Voilà, il fallait que je parle un peu dans ma langue. Ceux qui disent Damaro, moi je suis konyanké. Voilà, donc vous avez bien et bien compris. Bappé Ba, merci à vous. Sadio Ba, merci. Yannick Reutra, Hawa Rivero, Keita, merci à vous. Barakissa Karamoko, merci à vous. Merci à Mohamed Silibé. Merci à tout le monde. Et restons soudés. C'est pourquoi je vous dis, nous avons tous à gagner ensemble si nous restons unis. Forestier, Malinké, Peul, Soussou, nous avons tous intérêt à rester unis. Si la vie devient chère, le prix du pain, il n'y a pas pour les Malinké ni pour les Soussou. C'est tous les Guinéens qui payent cher. Donc, c'est pareil. On a intérêt à rester unis. On a intérêt à rester unis. Oui, dès le début du coup d'État, l'opposition, on va dire comme ça. Nos frères, oui, ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé, ont cru que non, c'était le changement que eux, ils souhaitaient. Et le bandit s'est retourné contre ces mêmes personnes. Détruire la maison de Seloudalé, humilier les Sidia Touré, humilier nos anciens dignitaires. Donc, on a tous intérêt aujourd'hui. Merci beaucoup, monsieur Edouard. On a intérêt à rester unis. On a intérêt à unir nos forces aujourd'hui pour l'intérêt supérieur de la nation. Ces bandits ont échoué. On a vu leurs limites. C'est pourquoi je vous dis chaque fois,
que ce soit, c'est-à-dire les quatre régions naturelles, mettons croix, nous sommes des Guinéens avant tout. Renforçons l'unité nationale. Mais si nous sommes unis, ces bandits-là ne peuvent rien. Si vous voyez qu'ils ont échoué, ils ont eu peur, c'est parce que nous sommes unis. C'est parce que nous sommes unis. Voilà. Donc nous devons continuer sur ça. Merci à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. À demain, Inch'Allah, pour d'autres directs. On est ensemble. Voilà.